Bonjour, j'ai vu avec un immense plaisir Les Rois Mongols, un film de Luc Picard. Que j'ai aimé ce film-là. Ça nous ramène dans les années 70, les événements d'octobre, une période moche. Et la teinte du film, tout au long, c'est un peu ça. On dirait qu'un petit film. C'est l'histoire d'enfants, c'est l'histoire de deux enfants, d'un petit frère et d'une petite sœur, qui ne veulent pas être séparés parce que le père est pris d'un cancer en phase terminale, la mère est dépourvue, pas d'assurance. Vous savez comment c'était à l'époque, là. Donc, les enfants ne veulent pas être séparés et la jeune fille prend tous les moyens justement pour garder son petit frère avec elle. Je ne vous raconterai pas l'histoire parce que ça me fatigue toujours un peu quand les gens font ça, racontent le film. T'arrives, t'as pas de surprise. Moi, je dis, c'est l'histoire de ces deux enfants-là, y compris leurs deux petits cousins qui décident de poser un geste assez radical. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à regarder, comme je vous dis, ce film-là et surtout à entendre ce film-là avec une musique choisie, une musique de chez nous, des airs qu'on aime. C'était québécois et bien fait, comme d'habitude. En tous les cas, moi, Luc Picard, bravo. Allez voir ce film-là. Encouragez notre cinéma québécois. Parce que, à quelque part, c'est nous autres, ça nous ressemble, c'est une partie de notre histoire, et je pense que vous allez passer un fichu de bon moment. Encore un gros merci, Luc, de nous avoir présenté quelque chose d'aussi intéressant et d'aussi émouvant. Allez voir ce film-là. À la prochaine. À la fin d'été, tout allait encore bien. Hey, c'est de l'amour, ça, mon Pierre? Lâche pas. J'avais du fun avec mes cousins. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupais beaucoup de mon petit frère Mimi. Maman! Maman! Et tout, papa va aller mieux. On va se retourner à la maison, puis tout va redevenir comme avant. Promis? Mais pour le bien-être de vos enfants, c'est la meilleure décision à prendre. Bientôt, ils viendront plus, ils vont s'en aller dans les familles d'écueil. T'as une famille d'accueil, le cœur. Et on n'ira pas là-bas, nous autres. On va s'en parler tantôt, on va tout t'expliquer. T'aimes ça quand ça fait mal, toi, hein? T'aimes ça, le drame? Personne nous dit jamais rien. Comme si on n'était pas du vrai monde, comme si on n'avait pas d'opinion. Le temps que nous tous Québécois n'aurons pas chassé par tous les moyens, y compris la dynamite des gens. C'est pour vous autres que ces gars-là se battent. T'as belle ça se battre, toi. Enlever du monde, poser des bombes. Pourquoi les filles qui enlèvent des otages? Pour exiger des affaires en échange. Manon! Où c'est que tu vas? Chez le diable. Je veux y aller avec toi. J'ai une idée. C'est dangereux. T'es-tu game? C'est un barrage de police. Tu vas être grand-mère? Non, on fait partie du FAQ. C'est notre otage, on l'amène dans notre cachette secrète. C'est vrai. Tu veux-tu ma photo? Bien sûr! Comme j'ai toujours envie d'aimer. J'ai toujours. Dire qu'il y a du monde qui s'en veut de même tout le temps. Vous êtes fourraine avec vos fusils, ok? Ça va de votre âme! Chez ça! Je suis pas un mancheur! Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois, pour toi que j'aime. Salut, mon roi mongol.